Gabriel. Monsieur le professeur, tenez, prenez-le là, parce qu'il devient lourd, là. Pas très chien-chien, moi. Oh. Allons-y, allez-y. Hein. Oui, mignon, oui, un peu trop nerveux tout de même. Mais il mord maintenant, mais c'est pas grave. Il est mignon, il se meurt. Oui, mais c'est ma grosse, ça, quand même. Oh, c'est terrible d'avoir des chiens dans la nuit. Parfois, j'ai l'impression d'entendre mon pauvre Dicky. Dites-moi, professeur, on tente une application? Mais non, on tente pas une application, vraiment. Ah, ah! Enfin, je sais ce que je dis, quand même. Non. Viens. 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 C'est dans le jardin, je vous dis. Non, non, bougez pas, professeur. Ne vous dérangez pas, je vais voir. Hein. Attendez-moi là, hein, et bougez pas. Ça me donne l'impression d'être devenu un monument aux morts. Depuis votre prix Nobel, vous avez obstinément refusé tous les honneurs, mais permettez-moi... Ah non, c'est très bien. Si, si, parfait. C'est un peut-être un peu long, mais c'est très bien. Allez, go. Muriel, Muriel. Bon anniversaire, professeur. Bon, il a déjà baissé la montre pour ça. Ah oui, il s'appelle Pasteur. Viens vite, votre fils. Jean-Max? Oh, il viendra pas. Fâché depuis 20 ans, ça veut rien dire, professeur. C'est vrai, mais ça regarde que lui et moi, ça. Non, mais monsieur, la manière des intimes ici. Alors, je voulais vous rappeler personnellement que si le vieux cherche, vous êtes payé pour m'en renseigner. D'accord? Pour le moment, je vois rien venir. Vous croyez toujours qu'il est aussi têtu vis-à-vis du ministère? Oh là là, il est même parano. Son numéro sur l'exploitation scientifique par les puissances dirigeantes est très au point. Bon, débrouillez-vous, je veux des infos. Même s'il n'y a rien à dire, j'en veux. Parler pour ne rien dire, ça va être efficace, non? Non, non, j'ai compris. Attention, le voilà. Bonsoir, professeur, je suis son oncle. Je voulais lui donner un coup de main pour la décoration. Je suis un passionné par les sciences. Il ne vous a jamais dit ça, lui? Non, non. Bien mieux quand même. Merci. Oui, Moïse m'a un peu parlé de ce projet Jeunesse éternelle. Ça va intéresser du monde, ça, hein? Ah non, c'est pas tout à fait ça. Pas ça du tout, même. Non, voyez-vous, mes recherches ont pour but de rajeunir les cellules, mais de quelques mois seulement et juste avant l'apparition de la maladie. Enfin, en quelque sorte, si vous voulez, de pouvoir guérir par anticipation. Prévenir au lieu de guérir. Très juste, mais... Joël, la plus belle fille de tout le quartier. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Enchanté, mademoiselle. Salut. Oh, dis-moi, fais pas ce 70 000, Joël. Ton con m'a tellement parlé de vous. Une coupe? C'est un con. Un gros con.
pompon, bien pompon. Non, les gentils, au moins. Il chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Dis donc, je te demande pardon, mais tu ne veux pas me faire croire qu'elle est contente de rester avec toi. Écoute, à mon âge, je sais pourquoi une jeune femme est avec moi. Un, parce que je la fais rire. Deux, parce que je suis riche. Et si je mets dans cet ordre-là, c'est parce que j'aime beaucoup les dames. Non, rassure-moi, tu ne vas pas l'épouser quand même. Si, si, je vais l'épouser pour un soir et mettre le feu à sa mémoire. Décidément, toi, tu te sors. Bonsoir. À bientôt. Et au revoir. Allez. Dodo, Pasteur. Ah. Va dans la maison. Pas dans la maison. Pas dans la maison, j'ai dit. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai dit pas dans la maison. Allez, viens. Bon alors, d'accord, mais juste pour cette nuit, hein. Bon. Tu sais ce qu'il me disait, mon professeur à l'université? Non, évidemment, tu n'en sais rien. Il me disait, Gaudiamus, la mesure est vous, ça fait deux. Non, tu as raison, allez au boulot. Pas logique, mais c'est pas bête, ça. Ouais. Déjeuner. Professeur, vous êtes là? Oh là là, qu'est-ce qu'il me fout de ce meurtier? Pépette! Pépette! Muriel, deux salades au clapier et ils vont revenir. Relevez-vous. Où est le professeur? Il a découché. Mais dites pas d'annerie. Il n'est pas dans la maison? Oh. Et puis en plus, il s'est changé, hein? On l'a enlevé. Mais non, Pompette, le professeur, il allait aux filles, hein.
En tous les cas, il est repassé par là-bas parce que hier soir, moi, j'avais tout rangé. Oh, quoi? Là. Le professeur. Bon, Muriel, Muriel, il y a sûrement un prénatal à côté d'ici, alors vous allez prendre tout ce qu'il lui faut, hein, des jouets, des tétines, des biberons, enfin tout ce qu'il lui faut, vous avez compris? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pasteur. Oh, c'est insensé. Allô? Passez-moi Monsieur Lohmann. C'est Véret à l'appareil. Mais je suis en mission spéciale. C'est urgent et confidentiel. Mais en conférence ou pas, prévenez-le. Mais pourquoi impossible? Mais mademoiselle, c'est extrêmement important, c'est capital même. Mais non, pas pour moi, pour lui, pour l'État. Allô? Mais votre enfant, il pèse combien? Ah, ben ça dépend, hein. Ça dépend de quoi, madame? Mais j'en sais rien, moi, j'ai pas eu le temps de le peser, alors bon, bah il est beau. Alors combien il pèse, hein, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il a quel âge, vous m'avez dit? C'est pas un bébé-bébé, vous voyez, c'est, comment dire, je pourrais aller à peu près comme ça, quoi. Je crois pas que je vais prendre les couches, je vais plutôt prendre les petites culottes directement. Et le... avec les petits chiens, c'est mignon, hein. Et vous avez accouché quand? Cette nuit. C'est bien moi, mais la voix... Oh, je la reconnais pas. Et pourtant, ça peut être que la vôtre. Bah oui, je sais. Il est réveillé? Oh, il est réveillé, le bébé. Mmh. Miam, miam, glou, 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 glou. Parlez-moi normalement, parce que là, vraiment, c'est grotesque. Il veut jouer? Il veut jouer? Tu veux que je joue? Lâchez-moi, Michel! Vous êtes exaspérante! Oh, qu'il est mignon. Sa petite bouche, on dirait un coussin. Mais c'est normal que ça parle à cet âge-là? Normalement, ça parle un peu, ça fait des phrases. Mais là, c'est pas un enfant comme les autres. Comment ça va? Comment vous sentez-vous, professeur? Ça va. Une petite gueule de bois, mais ça va. Bon, Muriel, essaie de suivre parce que c'est pas facile. Cette nuit, le professeur a testé sur lui une formule. Alors cet enfant, malgré sa taille et sa voix, c'est lui. Hein? C'est vous, professeur, n'est-ce pas? Ça me paraît évident, non? Ah. Moi, c'est Mumu. Mumu, c'est moi. Ça, c'est bébé. Écoutez, oui. Je vais me faire couler un bon bain. Ensuite. Oui. Maurice, je vous vois, ok? Ok. Non, 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 non. Alors dites-lui qu'il parle comme un bébé normal, parce que moi, sinon, je vais y arriver. Bon, d'accord, Muriel, d'accord. Professeur, un peu d'indulgence. Non, c'est vrai, c'est pas évident. Non. Ok, Maurice. Et pas un mot, hein? Bah, vous me connaissez. On y va. Oh, c'est le bébé à sa mémé, hein? Mumu, reviens. Tiens. Mais monsieur Lohmann, c'est Einstein en couche-culotte. Je vous jure que c'est bien lui. Même grain de beauté au même endroit. Véret, vous êtes peut-être un bon chimiste. Mais comme indique, vous êtes nul. Écoutez, ça va vous paraître invraisemblable, mais il semble à première vue qu'il ait gardé tout son savoir dans le corps d'un bébé... 3, 4 ans, je sais pas. Et sa voix, elle mue à l'envers. Arrivez tout de suite. Comment j'arrive tout de suite? Tout de suite. Et youp, qui c'est qui va prendre un bon bain? C'est le bébé. Et qui c'est qui va faire la grosse baleine? Fais chier. C'est le bébé. Muriel! Muriel! Muriel, je peux vous parler deux minutes? Oh, il est facile, c'est un fou, il pleure pas.
Je dois m'absenter une demi-heure. Ne vous inquiétez pas, hein, son comportement peut évoluer et sa voix peut régresser. Hein? Je peux compter sur vous. Comme sur vos doigts. Faut que je parte. Non, attends, bébé, enfin bon, professeur, une seconde. Maurice va revenir et en attendant, on va se faire une bédine chocolat banane du tonnerre de Dieu. Pas bouger, professeur. Enfin si, à 4 ans, je devais avoir cette voix-là, c'est tout. Joël, passez-moi Ponsard. Mais non, je vous prends pas pour une conne, je voudrais... Donnez-moi le permis. Je vous emmène jusqu'à Lyon, ça va? Hé! Hey, oh! Y'a quelqu'un? Bon. Alors? Je touche plus à rien, moi. Ni shit, ni coke, ni crack. Voilà, j'arrive. On y va. Bah, il est où ton vieux? Papa pipi. Papa pipi, non mais laissez un môme tout seul, il y en a vraiment, je te jure. Non mais il croit vraiment que je vais l'attendre longtemps, ton vieux? Oh d'accord, c'est un Parisien, d'accord. Allez hop, le plein.
Remarque, c'est rare qu'on vienne me voir pour acheter des roses. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Ah, tu veux jouer avec la machine? Oui, oui. Ah. Bonjour, bonjour. Moi, je veux t'aider, mon petit bonhomme. Je vais t'aider, comme vous soubez. Moi aussi, je veux t'aider. Allez, hop là. Allez. Merci, merci, merci. De rien, de rien, de rien. Avec vous, c'est tout droit. Edith, j'ai rendez-vous avec Loman, hein? Oui, oui. Aujourd'hui, son nom, c'est Grimbert. Soyez pas surpris, c'est encore fait une tête. Sécurité oblige. Tu t'arrêtes là, au tas de sable. Ah bon? Et maintenant? Avance. Maintenant? Avance! XR75. Dites, là, on descend, non? Oui. Quand la grille sera ouverte, tout droit jusqu'à la porte rouge. Bon, bon. Dites, on est sous le Louvre, là. Je sais que c'est pas l'endroit ni le moment, mais j'ai toujours pas touché mes primes. Oubliez plutôt ce que vous allez voir derrière cette porte. Ah bon? Vous connaissez monsieur le chargé de mission? Bon, restez là, je vais chercher Loman. Ah, verrez. Nous ne souhaitons pas que cette formule tombe entre d'autres mains que les nôtres, vous comprenez? Il s'agit des intérêts supérieurs de l'État. Godemus est la preuve vivante, scientifique, de sa formule. Il nous faut l'un et l'autre. Je ne peux pas laisser une telle découverte entre les mains d'un enfant de 4 ans. Ah, mais de toute façon, personne, même pas lui, connaît la durée ni l'évolution de ce qu'il a pris. Alors il va falloir qu'il se remette très vite au travail pour trouver l'antidote, sinon, danger. Il risque de rajeunir trop. De régresser vers la naissance. Et avant la naissance, il n'y a rien. Hein? Enfin, il risque de mourir à l'envers, quoi. Il va bientôt avoir besoin d'aide et de moyens. Maurice, il faut nous ramener. Ce sera un antidote contre l'exploitation de son travail. Vous comprenez ça? Je vais enfin pouvoir discuter selon conditions. Vous avez toujours sa confiance? À pleine et entière. Là, il m'attend comme on attend sa maman. C'est pas vrai! Et ne me dites pas qu'il est parti tout seul, hein? Bon alors, qui est venu? Hein? Qui? Qui? Non, mais il était là et puis après il était plus là. Mais tu vas parler, tu vas parler! Oh, l'assistant là! Non, mais s'il est parti de sa chambre fermée à clé, c'est ni de la faute de la clé ni de la mienne, ok? Alors moi je suis au marché, et chacun sa merde! Non, mais c'est pas vrai que ce matin tout le monde essaie de me faire baisser pour une barge! Monsieur Loman, pour virer. Monsieur, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Ben oui, je sais, monsieur le ministre. Mais où est-il certifié que ce Véret était un de vos meilleurs agents? Non, un impondérable, monsieur le ministre. Oui, mais si vous permettez, je mets en place une action spéciale pour récupérer Godemus. Croyez-moi, il n'y a pas très loin, monsieur. Oui, bon, je vous ai submergé de boulot, mais faites vite. Oui, au revoir, monsieur le ministre. Mon fils, je sais que toi tu vas reconnaître mon écriture. Tu vas donc pouvoir croire l'aventure insensée qui est la mienne depuis la nuit dernière.
Au moment où je t'écris, je mesure 1m06, ma voix devient celle d'un enfant. Alors c'est vrai, depuis 20 ans, la vie nous a séparés. Et 20 ans de silence entre un père et son fils, c'est toujours 20 ans de trop. Aujourd'hui, la réalité dépasse la fiction. On croit les scientifiques des gens sérieux. Moi, je crois qu'on est de plus en plus dangereux. J'ai besoin d'aide, Jean-Max. Je t'attends dans l'écurie avec la patience d'un père. Jean-Max? Papa? Oui, c'est à quel sujet? Inspecteur Falande, Madame Godemus? Ah non, je suis sa secrétaire. Entrez, messieurs, si vous voulez venir. Allez. C'est incroyable ce qu'il se ressemble à lui-même quand il était petit, hein? Mais l'enfant... Enfin, je veux dire, le... disparu, a eu le prix Nobel en quelle année? En 82, avec le docteur Ponsard. Et lui, il a quel âge en ce moment? Oh, mais je sais pas, je saurais pas vous dire, moi. Et... il n'est pas frais, il était là hier soir. C'était bien, hier soir, on a souhaité l'anniversaire du professeur, ses 70 ans. Déjà qu'il ne les faisait pas, alors maintenant... C'est... Oui, d'accord, mais l'enfant, enfin, le petit, s'est enfui comment? Par le premier, il a sauté en parapluie. Parapluie. Édouard, vous me préparez un menu à 85 et vous me l'apportez dans l'écurie. Dans l'écurie. Dans l'écurie. C'est une année correcte, non? Ah, une excellente cuvée, monsieur. Bon appétit, monsieur. T'as le droit, toi, de boire du vin? Eh ben, c'est-à-dire... Bonjour. Salut. Je suis Ali, j'ai 8 ans. Et toi, t'as quel âge? Eh bien, je... j'ai, disons, un petit peu plus. Au revoir. Je joue au docteur? Ah non, pas ça, hein? Attends. Écoute. Je voudrais finir de manger. Bah, qu'est-ce que tu fais avec ma fille, toi? Ah bon, c'est... Tu vois, c'est ton... Tu vas aller jouer, ma chérie? Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Bah oui, son nom, quoi. Papy, voilà, il s'appelle Papy. Allez, ouf, va jouer, ma chérie. Papy, avec la tête qu'il a, il me prend pour une com. Je te préviens, il a bu du vin. Oui, oui. Fais pas attention, pas... Tu sais ce que c'est? Je lui passe tout. Tu sais, quand j'ai lu ta lettre, j'y ai cru. Mais il a fallu les photos de famille pour me convaincre. Parce que quand je t'ai entendu, on a une vie calme, équilibrée. On n'est pas habitué à autant d'histoires. Je suis en harmonie ici. Ah, tu vas pas tout gâcher. Ça se voit, je te trouve heureux, je te trouve... Eh oui. Le problème avec toi, c'est que pour ta famille, t'as jamais été à l'heure. Non seulement t'as arrivé avec 20 ans de retard, mais dans quel état? Le Nobel de biologie, ça te suffisait pas. Fallait aussi celui de phénomène de cirque. Dans quoi tu t'es encore fourré? J'ai eu comme une sorte de dérapage moléculaire. Mon seul souci, c'est que j'ai été espionné. Et je vais avoir la moitié du pays aux trousses. Mais bon, à nous deux, je suis sûr qu'on va s'en sortir. Nous deux? Depuis quand on fait deux, toi et moi? Tu viens de retrouver ton livret de famille? Je te trouve bien ingrat. Ah non, non, là non. Parce que si on parle d'ingratitude, là, excuse-moi, je passe pas en premier. T'as jamais su que t'avais une famille. Je me rappelle qu'une fois, j'ai été faire des courses avec maman, tu m'as pris pour le livreur. Je suis un peu distrait, tu me connais. Non, je te connais pas, figure-toi. Hein? J'étais un enfant comme les autres. J'avais besoin d'un père. Merde, c'est vrai, quoi. Tu dis pas merde à ton père. C'est pas maintenant que tu vas commencer à t'occuper de mon éducation, hein. Alors c'est trop tôt ou trop tard, faut choisir. Et voilà, acerbe, rancunier, exactement comme ta mère.
Ah non. Touche pas, maman. Hein. Parce qu'alors là, non. Tu devrais même pas effleurer sa mémoire. Laisse maman où elle est. Merde, papa. Merde. Les toilettes, s'il te plaît. Dans le hall à gauche. Bon, allez, viens. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, ça s'est bien passé? C'était très bien, monsieur. Parfait, c'était excellent. Jean-Max! Hey! Dis donc, fiston, tu pourrais pas parce que là, tu vois, problème technique, tu vois? Y a quand même que toi pour me faire des coups pareils. Tu changeras jamais. T'es sûr? Votre cigare, monsieur. Merci, Edouard. Monsieur, excusez-moi, mais ces messieurs de la gendarmerie vous attendent. Ah. Ça y est, ils m'ont débusqué. Mais non, c'est Jeannot qui vient pour le tarot hebdomadaire. Attends-moi 5 minutes, je reviens. Salut la compagnie, installez-vous, c'est amusant qui régale. Jean-Max, est-ce que t'as déjà vu cet enfant? Vu la qualité de la photo, tu fais bien de préciser que c'est un enfant. Il paraît même qu'il est de ta famille. Il aurait été kidnappé à Paris. Kidnappé? T'es au courant de rien? Ah non? Eh ben j'aime mieux ça. Jean-Max, il y a une femme dans ta vie. Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Ça va me faire croire que tu pars comme ça parce qu'un gosse de 3 ans dit qu'il est ton père. Bon, d'abord, il n'a pas 3 ans. Et ensuite, chérie, c'est mon père. Hein? Il est recherché par la police. Bon, enfin, à tort. Bon, pas un mot. Enfin, je veux dire... Là, je n'y arrive pas du tout, Jean-Max. Je n'y arrive pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vous sortez la voiture près du porche des cuisines. Et surtout, pas un mot, Edouard. Je compte sur vous. Dans mon métier, monsieur, on a des oreilles ou une langue. Voir les deux, c'est frôler le licenciement économique. Que tu recherches. Merde. Écoute pas. Disons que si je te dois quelque chose, c'est le moment ou jamais. Je te sors de là, mais que ça soit une clarté totale. Une fois, pas deux. Allez, viens, on s'en va. Allez. Tu sais, mon fils, ce que tu fais là, c'est très beau, très pur. C'est... Tu vois, c'est... C'est 6 mois avec sursis. Il manquerait plus que je sois impliqué dans le rap de mon propre père, hein? Alors je te dépose où tu veux, et moi je rentre chez moi. Bon, eh ben, prends ton bagage. Mais, quand même, ta formule, c'est pas vraiment au point. Si je comprends bien, tu voulais rajeunir seulement de quelques semaines. Mais là, t'as perdu combien? 3432 semaines. Je veux dire, 66 ans. Remarque, le bon côté, c'est que j'ai retrouvé mes dents. Mais, avec du travail et des moyens, tu crois que tu pourrais contrôler vraiment la situation? Oui, je pense. Eux aussi, ils le pensent. Et c'est pour ça qu'ils veulent te mettre la main dessus, hein? Main basse sur la formule... Et l'exploitation commerciale à la clé. Ça va être serré, non? D'autant plus que je ne sais pas combien de temps il me reste à être dans cet état-là. Tu veux dire que tu peux vieillir plus vite? Oui, et rajeunir aussi. Il me faut un endroit à l'abri pour travailler. Bien planqué, et je ferai venir Ponsard. J'ai une encyclopédie de reproches à te faire. Et tu m'arrives dessus en garçonnet poursuivi par toutes les polices de France. Comme disait maman, t'as quasiment tous les défauts. Sauf un. Avec toi, on s'emmerde jamais. Et dodo après, hein? Dis donc, Jean-Max, tu veux pas? J'ai une belle tête de veau. Ah non, je suis barbouillé. Si, mais alors, sans sauce. Enfin, je veux dire, avec sauce. Ah, je te fais monter ça tout de suite. Il y a un œuf coq pour la petite Alice. Sport et football. Planqué. Mais t'entends bon toujours. Non, voilà. Il faut pas se cacher, au contraire. Il faut se montrer partout. S'étaler, s'exposer. Voilà. La presse, la radio, la télé. Tellement dans la lumière que tu deviens intouchable. Tu saisis? Pas bête. Pas bête du tout. Mais comment? Oh, je sais pas. Mais j'ai un ami qui est journaliste à Paris. Lui saura. Ah. Papa!
Je m'excuse, c'est la tête de veau. Oui, enfin. Hé, hey, mademoiselle! Attention à votre capot, on voit le moteur. Bonjour mon petit bonhomme. Je croyais que tu avais une fille. Autant te le dire tout de suite, Jacques, je te présente papa. Bonjour. Sur mon honneur, je te jure que c'est la pure vérité. Enfin, mais c'est hallucinant. Dites, après les hallucinations, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas. Toi qui connais les ficelles, tu sais qui appeler. Ce qu'il faut faire, c'est le plus de bruit possible autour de papa. Créer l'événement, hein. C'est la seule façon de le protéger. Bon. Ok, d'accord, j'ai compris. Ce soir, vous, vous restez ici. J'ai une idée. Bon, je reviens vers 9h, hein. T'as hallucinant. Hallucinant, dingue. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Et la police qui a mis en place un dispositif particulièrement important est toujours sans nouvelles des ravisseurs du petit Pascal, car tout portera à croire qu'il s'agit d'un kidnapping. Si vous avez une information sur cet enfant, ou si vous l'apercevez, téléphonez au 4289-3100. Voilà, c'est la mobilisation générale. Ils ont fait très fort les renseignements généraux. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? J'ai un petit coup de barre. J'ai quand même 70 berges, hein. Ah oui, je t'ai pas dit. Quoi? Bon anniversaire. Allez, viens, papa. Ça va te détendre, je vais te faire prendre ton bain. Non, c'est pas vrai, Jacques. Comment vas-tu? Ça fait une éternité, qu'est-ce que tu fais là? Fais que je te vois. J'ai vraiment besoin de toi. Comment va Véronique? T'es toujours avec Véronique? Non, non. Bon, ce qu'il me faudrait, c'est une heure ou deux de ton temps, tu vois. Bon, déjà de la semaine prochaine, si ça te va. Non, ce soir, vraiment. Non, 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 ce soir. Mais Guillaume est là pour 2 jours, j'ai promis. Demain matin, au petit-déj, chez toi. Super. Ah. Dis donc, Jacques, ton histoire, t'es sûr que c'est pas de l'intox? Ah non, non, ça peut faire gaufrette, mais c'est béton. C'est hallucinant dingue. Promis. Demain ou après-demain, je suis de retour. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. D'accord. Moi aussi. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'allume de ses gueules, à la galerie je farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Voilà, voilà, les petites gâteries. Tenez. Merci. Vous en voulez? Et le résultat? Le résultat est imprécis. Mais un contrôle temporel du sélénium peut y remédier. Il y a besoin de vous. Avec cette découverte, ça hantise, c'est que tout le monde essaye de la récupérer. Et alors pourquoi faire de la recherche? Un chercheur est fait pour chercher, pas pour trouver. C'est pas moi qui ai dit ça. Et qui? Einstein. Eh bien, mon petit garçon, je te félicite. Tu as bien appris ta leçon. J'ai failli te croire pendant un instant. Vous voyez, c'est à cause de gens comme vous que je suis en fuite. Vous n'êtes pas à la hauteur. Mais... on avait tort. Allez, viens, fiston. Attendez. Je voulais seulement... c'est aussi ma crédibilité qui est en jeu. C'est quand même difficile. Je vous vois, je vous écoute parler, là... Ça ne paraît pas... Ça paraît pas quoi? Ça fait drôle. Franchement, vous croyez que moi, ça fait pas drôle? Et vous, vous êtes son fils? Ça se voit pas? Répondez à une seule question. Quel serait notre intérêt si c'était faux? Je sais pas. Et les renseignements généraux auraient inventé de toutes pièces le kidnapping pour le récupérer? Mais si c'est vrai, c'est énorme. Mais c'est vrai! Donnez-moi le feu vert. Bonsoir. En exclusivité, la rédaction de notre chaîne est en mesure de dévoiler un élément essentiel sur l'affaire qui occupe toutes les unes de vos journaux.
l'enlèvement du petit Pascal. Cet enfant recherché par toutes les polices de France n'a pas été retrouvé pour une raison que nous versons au dossier ce soir et en direct. Le petit Pascal n'a jamais été enlevé puisqu'il n'a jamais existé. L'enfant qu'on a essayé de nous faire passer pour un autre cache une des plus extraordinaires aventures scientifiques de notre temps. Il s'agit en fait d'un savant avec nous sur ce plateau, le professeur Gaudeamus, prix Nobel, 70 ans. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Monsieur. Oui. Gaudeamus. Quoi, on l'a retrouvé? Non, il parle à la télé. Monsieur le ministre vous demande tout de suite. Merde. Merde. Pour moi, ce n'est pas une aventure extraordinaire. Il s'agit d'une expérimentation interrompue par ceux qui voudraient contrôler mes travaux. Mais votre fils a déposé une plainte auprès du procureur de la République, en votre nom, contre M. Maurice Verret, car en fait votre assistant, mis en place par le Centre National des Inventions, était un agent des renseignements généraux. À vous voir, vous. Mais qu'est-ce qu'il faut, votre Verret, hein? Mais, monsieur le ministre, je... Bon, je vais encore vous couvrir. Je ne couvrirai personne, ni vous, ni Verret. J'ignore déjà son existence. Au revoir, Lehmann. Monsieur le ministre, si je peux me permettre, c'est vous qui avez signé l'ordre d'affectation pour Verret. Et rappelez-vous, c'est même pour rendre service à un membre de l'opposition que... Non, mais ça suffit. Alors virez-le et sans indemnité. Je ne peux pas entendre parler. Je ne l'ai jamais vu. Allez. S'il y a un problème, je dis que c'est de la faute de l'opposition. Très bien. Très bien. Par exemple, le sélénium exerce une action sur le système immunitaire. Il joue un rôle majeur contre l'oxydation des cellules. Les travaux de mon ami le docteur Ponsard permettent de déceler une déficience en oligo-éléments grâce à des analyses sanguines. Mais excusez-moi, tout ceci est trop technique pour être intéressant. Sacré Gaudeamus, je l'adore. C'est compliqué que ça. Chérie, on part plus en vacances. Vous savez, notre corps, c'est 40 000 milliards de cellules. Vous allez donc poursuivre vos travaux pour retrouver votre âge. À un moment donné, on n'a jamais l'âge qu'on voudrait avoir. À 70, on regrette ses 40. À 40, c'est 18. Et à 15, on voudrait en avoir 30. Disons que j'ai envie de me sentir en harmonie. Alors lui, c'est une star. Merci, professeur, d'avoir bien voulu participer ce soir et en direct à notre journal. Et avant de retrouver les titres, une dernière question pour une dernière réponse. Votre souhait le plus cher? Grandir. Oui, Lohmann. Vous lui avez bien dit que c'était Verret. Non, c'est pas possible, mademoiselle, si vous... Que sera, sera? Oh, son petit, son doudou le coton. Bravo, mon micro. Gros crâne de poupon. Magnifique, professeur. Vous avez été magnifique. C'est un adjectif qui vous va mieux à vous qu'à moi. C'est pas suffire. C'est con. C'est pas le terme que j'emploierai. En combien de temps vous pensez retrouver la formule? Je veux dire l'antidote. Vous comptez bien un jour retrouver votre âge? Le contraire ne serait pas raisonnable. Je crois que je suis pas fait pour la jeunesse. Pour la vieillesse non plus d'ailleurs. Je commence à me très bien savoir qui je suis exactement. Vous pouvez m'aider? Bien sûr. Vous êtes vraiment un bébé très spécial? Ben oui, je suis un bébé bien mûr. Je peux vous embrasser? Papa embrasse Adam. Anne-Christine? J'ai les chiffres, c'est un triomphe. Et vous n'avez pas de réaction politique? Oh si, j'ai eu l'intérieur, ils sont pas contents, et même furieux. Ah, dites donc, professeur. Oh, pardon. Donnez-le-moi, je vais le rentrer. Non, non, je vais le coucher moi-même. J'ai l'impression que je pourrais passer ma vie à le pouponner. Mais c'est toujours les mêmes qui sont venus pour faire la nuit. Au revoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir monsieur, merci. Hé hey. Monsieur Lohmann. Monsieur Lohmann. C'est moi, Verret. Je cherche partout. Bonjour, monsieur. Ah non, pensez avec moi. J'étais correct. J'ai trahi. Alors maintenant, je veux désordre. Et je veux mes primes. Non, écoutez, monsieur, je suis désolé, vraiment, je veux pas du tout... Alors, je comprends pas, là. Bon, écoutez, monsieur, puisqu'on vous dit,
Bon, alors, toi, le colorier, t'es gentil, hein. Fais gaffe. Excuse-moi, pardon. Je t'ai tutoyé. Normal, t'es quand même plus vieille. Oui. Tu es vraiment formidable. Ça doit être extraordinaire d'avoir un père comme ça. C'est plutôt maintenant que c'est plus simple entre nous deux. Bizarre, non? Ah, santé. Ah. Santé. La vôtre. Simon plaisait aux femmes. Mais il lui fallait leur faire secret. Depuis 35 ans, il avait été lié. J'ai vu l'émission, là. T'as dû cartonner, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça c'est parce que je pars à Moscou demain. Je l'avais pas dit, si. Non? Non. C'est la première fois que tu fais, enfin, pour un départ. Parce que cette fois, c'est un peu spécial. Cette fois, je reviens pas. C'est drôle, hein. Chaque fois qu'on se voit comme ça entre deux avions, je me dis qu'il faut que ça s'arrête. Puis je continue. C'est drôle. Oui. Drôle, tu veux dire marrant? Oui, je veux dire marrant. Enfin, drôle, marrant. C'est tout ce que tu trouves à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, par exemple, je suis tout mouillé. Je suis pas mouillé. Oh non! Non! Oh non, non! Pas mes appareils, non! Surtout, n'oublie rien! T'as pris ta brosse aux dents? T'allais dire, toi! On me largue pas avec des bougies et du champagne! C'est moi qui largue, vu? Surtout, connard! Tire-toi! Non, Oh, terrible, hein. Merde, on tourne en rond. On risque une application. Non, il y a encore des vérifs à faire et... La médiatisation en tant que protection, c'est bien. Oui. Mais là, il y en a partout, c'est vers la rebours. On a peut-être fait un peu trop fort, j'y arrive plus pas. Bah, nous non plus, si on veut des résultats tangibles, faut une équipe. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Oui, je te regarde et puis j'ai l'impression que t'as pris un sérieux coup de flacon, hein. Moi, non. Faut traiter au plus vite avec le ministère une aide en matériel et en homme. Contre l'exploitation de la formule. Parce que pour l'antidote, ça urge, hein. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est rien. Je m'en occupe, papa. Et quand je dis je m'en occupe, efficacité oui. Et discrétion. Vous êtes attendu. Royal Monceau, suite 202. On y sera dans 2 minutes. Vous trouvez pas que vous faites bande dessinée, là? On pourrait pas se voir normalement. Faites confiance aux professionnels. Bah, Jean-Max, qu'est-ce que tu fais là? Paul Fabel. Et mademoiselle... Messieurs, dames, suite 202. Pardon. Tu l'as reconnu? C'est sa décision personnelle. Je peux vous l'assurer. Et vous là-dedans, vous chassez le scoop ou vous êtes plus avec Eltrice? Mademoiselle Kerr a gentiment accepté de nous conseiller dans cette affaire. Et il est bien entendu qu'elle gardera pour elle tout ce qui sera dit ici. Bah voyons, la rigueur morale de la presse, c'est une garantie, hein. Je suis pas venu ici pour me faire encenser ni pour me faire injurier. Alors ou vous négociez, ou je vous confectionne un costume sur mesure ce soir à 20h. Et je vous garantis que ce sera un beau 3 pièces, tout tweed, avec des poches partout. C'est clair? Je ne vous autorise pas, madame, je représente ici la France! Ça se voit pas, monsieur! Excusez-moi. Bon. Alors. Si je comprends bien, il veut bien négocier. Mais à nos conditions, c'est ça? Non, à ses conditions. À ses conditions. Alors je vous écoute. Il n'a plus les moyens de s'opposer aux intérêts supérieurs de la nation, mais il a accepté de vous confier l'exploitation de sa découverte. Mais avec un contrôle commun, et la transparence administrative et comptable. Très bien. Il veut des moyens appropriés, mais chez lui. Pas de problème.
excusez-moi, c'est une budgétisation de 6 mois. Et la collaboration du docteur Ponsard. Ponsard? Mais... Deux équipes de chercheurs. Une pour le sérum, l'autre pour l'antidote. Alors, en ce qui concerne les équipes, j'ai pensé que... Oui, c'est déjà pensé, ça va. C'est compris? Oui, oui, j'ai Alors compris. Allez-y. Bon, à nous deux maintenant. Alors? Alors, je crois qu'on va laisser les vieux lancer sur la formule et nous, on se concentrera uniquement sur l'antidote. Comment tu te sens? J'ai l'impression d'aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, et le contrôle du temps par jour? Pas possible. Par mois, peut-être. Ok. Quel hôtel? Arrête, Jean-Max. J'ai Paul à l'appareil, c'était au Royal Monceau, avec une brunasse. Enfin, canard, tu penses bien? Il n'y a plus de canard. Tu dis rien au sujet de Paul, hein? Paul! Mais il raconte n'importe quoi! J'ai été pour papa, voilà! Ah, si tu cries, je raccroche! Je ne crie pas, je t'explique les choses. Si tu crois que je m'amuse, je suis entouré de vieillards. Ah, alors, hein, franchement, il n'y a pas de quoi... Eh, sincèrement, en rousse, vous me trouvez comment? Mieux, beaucoup mieux. Comment? Mieux? Mais non, c'est Muriel. Pourquoi maintenant, ça vous plaît pas? Mais si, mais c'est ma femme. Mais je m'en fous de votre femme, moi. Je voudrais te plaire. Comment elle veut te plaire? Mais non, pas me plaire! Écoute, Minou, ne sois pas conne! Non mais sérieusement, monsieur Jean-Max. Oh, et si je remontais un peu comme ça? Avec un dégradé en échelle? Oh, puis avec un peu de gel pour dynamiser le tout, ça serait fantaisiste, ça, non? Ben oui, ça serait plus gai. Eh, sincèrement, sincèrement, comme ça, sans réfléchir, vous me donnez combien? Ben, sans réfléchir, c'est dur. En tout cas, moins. Vous n'êtes plus la même. Il n'y a pas grand-chose de commun entre nos travaux sur le rajeunissement et les recherches sur les embryons. Si, la volonté de manipulation. Allez, allez, on arrête la minute. C'est l'heure du goûter. Il n'y a pas de pépito? Non. Mais, Muriel, vos cheveux. Ben quoi? Que j'avais 18-20 ans, je te rousse, moi. Je vais prendre une charlotte aux fraises. Oui, bien, madame. Et un baba au rhum. Et avec du rhum, hein? Oui, bien, monsieur. Merci. Pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Je sais pas. Quand je vous vois là, je me dis, évidemment, ça doit être très très bien d'être la mère. Moi, c'est pas pareil. Ne mélangez pas tout. Non, enfin, disons que... J'ai peut-être pas été très douée pour les histoires d'amour. Ça doit pas être ma spécialité. Alors, les enfants, forcément, faut un minimum. Et si je te demandais, là, tout de suite, de danser avec moi? Mais il n'y a plus de musique. Je chanterai Yesterday à l'oreille. Vous êtes fou. De vous, Anne-Christine. Regardez-moi bien, là. J'ai pas 4 ans. Je suis un homme. C'est un enfant. Un tout petit enfant. Donne-moi la main. Tu m'épousais? Alors on baise? Oh! Madame, pardon. La charlotte, le baba. Et l'addition. Pour le nain. J'allais dire des conneries. J'ai jamais su m'y prendre avec les femmes. C'est ta faute aussi. Ah, si j'avais 30 ans de moins, 1m80, une belle voix grave. T'as raison, on va inverser.
On l'a pas retrouvé, le petit chien? Non. Une petite fille, peut-être son âge. Bon, faut que je te parle, papa. Donne-moi ça, je vais continuer. Excuse-moi. Papa, je dois absolument partir à Lyon. Ça m'ennuie de... T'inquiète pas pour moi, je vais y arriver. Toi, fais plutôt attention sur la route. Bienvenue à l'Institut de Recherche Biologique. Bonjour, monsieur Vérac. À gauche, monsieur le président Weller vous appelle. Non, c'est la question, je sais. Est-ce qu'on a le choix? Tu viens avec nous? On va boire une suze au Cyrano, puis on fera un 421. Ce soir, je ne peux pas. Oh, allez, viens, quoi, sois pas lourd. Non, déconne pas. Je te dis que ce soir, je ne peux pas. Oh non, vraiment, t'es pas marrant. Dis. Oui. Demain, oublie pas. Quoi? Dans mon labo, il y aura personne. Ok. Ok? Ok. Ok. S'est retrouvé tout seul dans les 21 virages de l'Alpe d'Huez et Andy Amstein tout sourire. Andy Amstein retrouvé, que l'on va recevoir dans quelques secondes dans notre vélo club. Regardez le sourire, regardez la décontraction, regardez... Dis-moi, en général, t'es plutôt viande ou poisson? Poisson. Victoire d'étape dans le Tour 1992. Et quand ça t'arrive de manger de la viande, tu l'aimes plutôt bien cuite ou saignante? Saignante. Franco Venin. Deuxième fois, deuxième. Et les pâtes, al dente, je suppose. Bah oui, pourquoi? Parce que ce soir, on va au resto. Voilà. T'as raté ton dîner, chérie? Oh, je suis vraiment désolée. T'es fou pas de moi. Tiens, dans mes bras. Que toi, je préfère le contraire, parce que j'arrive pas à faire le tour de ton cou. Quand même, vu de l'extérieur, on doit faire un peu bizarre comme couple. Vu de l'extérieur, peut-être, mais vu de l'intérieur, je suis beaucoup trop mieux pour toi. Dis, c'est bête comme question, mais pourquoi t'as donné 500 francs de pourboire au chauffeur tout à l'heure? Le traiteur, il arrive dans 5 minutes. Mais t'es un salaud. Ok, je t'ouvre. Salut, et pour toi, qu'est-ce que ça donne? Tiens. Ah, ça va? Dis donc. Oui? La nuit du grand bouleversement, t'as eu combien de temps d'incubation? J'ai perdu connaissance, alors je sais pas très bien. 5-6 heures maxi. Albert, tu sais encore ton pouce. Ah merde. Écoute-moi, d'après tes calculs que j'ai refaits, une dose, ça doit te faire gagner 400 à 420 mois. Tu veux dire que je vais me retrouver vers mes 40 ans, c'est ça? Tu crois qu'il n'y a plus de risque? T'as pas toujours été d'accord. Mais tu sais bien que le risque, c'est l'antithèse du calcul, non? Bah alors... Non, parce que... Allons-y. Bon. On y va. On y va. Mmh.
C'était bon? Là, tu vois, j'arrive à vomir. Il y a une chambre d'amis à côté, il n'y vient jamais personne. Suis-moi, tiens. Tiens. Oh, pardon, madame. Il fait froid, la mouche pète. Oh, Albert. Vieux lapin, c'est moi, et pas peur. C'est moi, c'est ton pote, Albert. Allez, mets ta tête là. Bien. Bonjour, c'est pour l'anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas d'anniversaire ici. C'est Monsieur Ponsard. Oui, mais je suis pas au courant, moi. Qu'est-ce que c'est que... Signez-la. Ah, parfait, monsieur, c'est pour moi. Posez ça là, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour l'anniversaire d'Isabelle. Ta sœur? Je te l'ai dit. T'as rien contre? Ah non, j'ai rien contre ta petite sœur, non. Tant mieux. Non, ça, j'ai rien contre Isabelle. Monsieur Godéamus? Vous n'êtes pas... Si, c'est moi, oui. Je sais, ça surprend, mais... Enfin, disons que j'ai changé d'employeur. Vous allez me dire tout de suite où elles sont, ou je vous éclate la tronche. Non, mais calmez-vous, écoutez, j'ai pas l'habitude, je suis pas un vrai gangster. Alors, envisageons la situation calmement. Tu me parles de quoi? Je vous parle de votre famille. Oui, parce que si vous voulez revoir votre femme et votre fille, il faut qu'avant la fin du week-end, vous nous rapportiez la disquette et une dose du sérum. Bon, est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que t'as, ça coûte parce que j'ai pas compris? Moi, ce sont les... Ah non, non. Ah. Allô? Excusez-moi, mais il fallait absolument que je vous parle. Non, mais là, je suis en reportage, comment vous m'avez trouvé? Oui, voilà, parce qu'il m'arrive quelque chose... Je peux venir tout de suite? Bah oui, venez. J'arrive. À tout de suite. Là, tu me rends un service énorme parce que j'ai un gros problème de famille. Tout est là, hein? À ce soir, merci. Bon, ça va. Je me suis arrangée. Vous pouvez m'aider? Bien sûr. On va les retrouver. Bon, il faut commencer par votre père. J'ai appelé à la maison, ça répondait pas. Mais moi, j'ai appelé chez Ponsard, c'était tout le temps occupé. Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Oui, c'est ça. Ça se mange, ça? Un peu de salade. Ah, pour leur faire du mal, non? Bonjour. La porte était ouverte, alors. Vous avez bien fait. Nom de Dieu de merde. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Papa, tu vas m'expliquer. Viens, ça commence à devenir compliqué. Chérie, tu gères les mômes. Oh, dis donc, toi, terminé. T'es pas la pouffe de la télé? On s'en va. Tous les deux, on voulait faire une tentative, mais voilà. Le physique a pas bougé, mais le mental... Il me reconnaît même pas. Ben, c'est normal. Dans sa tête, il a 13 ans. Pour lui, t'es pas encore né, t'existes pas encore. Bien sûr, la mocheté avec qui dansait est née il y a 5 minutes. Papa. Oh. C'est moi, Jean-Max. Tu me reconnais? Tu te souviens de Bernadette, ma femme? La famille en tant que valeur est un concept de rétrograde. Te voilà libre sans meuf. Personne n'aura la clope. Quoi? Il est complètement déréglé, c'est le sélénium. Non, donnez-le-moi. Je vais lui faire prendre un bain, il sent l'herbe à 30 mètres. Pas ici, en tout cas. Paul, pour Isabelle, c'est la catastrophe. Oui, elle a raison, laissons les enfants ensemble. Vous venez? Et tu te souviens de rien? Rien du tout. On me l'avait jamais faite, celle-là. Pourtant, j'ai refait tous les calculs, on n'en était pas loin. Eh, hein. Hey, n'oubliez pas, je suis prête à faire cobaye, hein. Je peux sacrifier mon corps, il n'y a pas de problème. Merci, c'est gentil. Non, c'est normal. J'ai été très inquiet, pas. T'inquiète, je vais m'en sortir et t'en sortir.
Tu sais que t'es belle quand t'es jalouse. Je sais plus où j'en suis, moi. Ouais, un gramme de macro-minéraux par kilo, ça va. Mais attention, hein, attention, magnésium. Il doit juste exercer un rôle structurel et fonctionnel. Oui. Et le sélénium jouera un rôle majeur contre la dégradation des cellules par les radicaux libres. Dis-moi, là, j'ai une idée depuis hier. T'étais ivre le soir de l'expérience. Exact. Et si je comprends bien... L'effet de l'alcool peut très bien avoir modifié le mélange utilisé. Voilà. Attends. Pas con. Hé, hey, les gars, écoutez! Ça y est, je viens de trouver! Enfoiré. Vas-y, Foussa, on essaye. Avec le chiot? Ah oui, Pasteur. Allez, viens, Pasteur. Albert. Monsieur, il est 14h. Albert. Tu peux me dire ce que tu fais là? Oh, mon pote. Oui. Oui, quoi? Tu te rappelles ce que tu viens de faire? Oui. Salut. Salut. Je suis désolé, j'y avais cru vraiment. Vraiment, j'y ai cru. C'est vendredi, il faut que j'y aille. Il se passera plus rien. On y arrivera. Mais quand? Maintenant. Salut. Ah. Et bonne soirée. On y arrivera, fils. Papa. 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 Oui, Anne-Christine. Comment va-t-il? Il va bien. Très bien. Je peux lui parler? Ah non, je ne peux pas vous le passer en ce moment. Il travaille. Il est en plein travail. Bon, je passe ce soir vers minuit, d'accord? On n'est pas dans la merde, pas. Eh oui, en général, on meurt de vieillesse. Et moi, je vais devoir mourir de jeunesse. Il va bien. Et puis, tu sais pas, avant que tu comprennes plus, je voulais te dire que ces 15 jours passés ensemble ont rempli les 20 ans qui nous avaient séparés. Papa, ça y est. Regarde, Pasteur. Allez, viens, allez. Allô, Ponsard? Ah non, c'est Joël à l'appareil. C'est Jean-Max, Ponsard est là? Bah non, il est parti au foot. Il avait un gros match. Puis je le rejoins vers minuit. Vous avez un message? Non. Eh bien, moi, ce soir, je vous laisse la maison, je vais m'éclater. Bon week-end, professeur. Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, papa, s'il te plaît. Il a fait aux culottes. Professeur. Non. Je me débrouillerai très bien tout seul. Laissez-moi seul avec mon père. Bonne soirée. Si les résultats sont pas plus probants, moi, demain, j'enlève la perruque. Thank you.
j'ai rien oublié, c'est ça. Pas de risque, hein? Non. Dans le conteneur, il y a du sérum et du champagne. Et c'est très important, il faut mélanger les deux avant l'absorption. Vous avez bien fait de nous apporter une application. Bien entendu, nous allons tester tout cela. Mais si vous avez essayé de nous rouler, n'oubliez pas, vous êtes le gibier et nous sommes la meute. Elles sont là-bas. Pardon, est-ce que vous savez si le professeur Godéamus est sorti? Ah non, il est toujours là, mais seul. Son fils est sorti à 21h. Merci. Pasteur, c'est toi? Mais c'est pas vrai. Pour développer quelque chose, mais pas ce soir, pas le premier soir. Et oh, arrête, qu'est-ce que tu veux développer, là? On n'a pas le temps de développer. T'as quel âge? Ouais, ben là, justement, t'as mis le doigt dedans, hein. C'est absolument pas le problème, voilà. C'est une question de principe, pas le premier soir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai. Oh, monsieur Poussard, c'est un copain, on parle. Et oh, on parle. Puisqu'on est copains, là, la blonde avec son père, tu la connais? Elle couche? Grosse, si je ne compte. Ouf. Et le chien, il est adulte? Ouais. Jean-Max? Papa? Et voilà! Et en plus, c'est du bon! Dis donc, j'ai trouvé que ça. Je pourrais coucher la petite? Bien sûr. Hein, papa? Bah, elle est au deuxième. Personne n'y a mis les pieds depuis 20 ans. Maman, c'est qui, lui? Appelle-le papy. Allez, dodo. Oh, boy. C'est du bonheur. Tu vois, je me dis, la seule chose qui s'arrange avec le temps, c'est le pinard. Hé, hey, papa, quand je vois ta tête maintenant, je comprends mieux maman. Oh, mais... pas que sa mère. Hein, hein, Albert? Oui, bon, bah ça va. Moi, je m'étais dit comme ça que vous alliez avoir besoin d'un sujet pour confirmer les résultats. Et sur une femme, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, peut-être, mais pas maintenant. Je sais, un demi-verre comme ça. Pour la science, chérie, tu viens? Allez, on trinque comme en cuisine. Elle est d'accord. Et pourquoi comme ça? Ça fait pas de bruit. Les patrons peuvent pas entendre. Oh, Albert, c'est quand même formidable. C'est pas tout ça, mais demain... Il va falloir stabiliser. À demain, rien du tout.
Disons lundi. Ah, ni lundi ni mardi. J'arrête. J'arrête. Ah non. Pas le con, peut y avoir un risque. J'ai déjà fait le con avec ma femme. Avec toi, fiston. Alors maintenant, je prends le risque de vivre. Et ta découverte? Oh bah, elle attendra. Tu sais, dans la vie, il y a des cas où commencer par la récompense, c'est une forme de sagesse. Enfin, si tu préfères, je vais commencer par prendre ma retraite. Puis après, je me mettrai au boulot. Dans 35 minutes, j'ai un vol pour Budapest. Non, pas Budapest. Alors, dans 50 minutes, les Comores. Ah, parfait! Des Comores, c'est super! Vous avez des premières? Oui, c'est possible. Pardon, monsieur. Votre avion est annoncé. Qu'est-ce que t'as? Rien, rien. Mes filets! Te gêne pas? Oh! Tu dors ou quoi? Mais les vieux, ça dort pas, ça fait semblant. Oh, juste un petit regret. La tyrannie des horloges. Non, rien, fais pas attention. À la direction générale. Et j'arrive. Monsieur Véret, ici nous avons l'habitude de travailler avec des vendus, pas avec des incapables. Oh, mais je vous en prie, c'est très complexe. S'il vous plaît. Bonjour monsieur, c'est pour déjeuner? Parce que si c'est pour dîner, je crains que nous soyons complets jusqu'au 15. Max. Papa. Nous avons des favoris dans l'émission, à commencer par Alain Ekmekchan. J'espère que je prononce bien. Non, il y a quelqu'un qui assiste pour te voir. Oh non, personne. J'ai tout arrêté, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à voir. Je suis sûr que ça te fera plaisir. Et puis je peux pas lui mentir. Patata, parce que le mensonge, c'est le début du plaisir. T'as lâché, tu mérites encore le prix Nobel. J'ai rien à déclarer, à personne. Pourquoi tu es parti? Parce que tu as retrouvé ton âge, c'est ça?
Mec chiant. Bon, je m'en vais, parce que dans 5 minutes... Tu veux rien dire, ok, ne dis rien. Mais tu vas m'écouter parce que j'existe, moi. J'ai pas encore... Je t'aime, moi. Tu m'as fait craquer à 4 ans. Tu m'as rendu folle à 35. Je vois pas pourquoi je changerais maintenant. D'autant que t'es plutôt pas mal en vieux beau. Bon... Est-ce que tu m'aimes? Comme à 18 ans, oh, 24, enfin je veux dire, oh, je sais plus moi. Papa, tu viens m'aider? Vas-y, vas-y, j'arrive. Super. Tenez, Albert. Non, non, merci, merci bien. Ah, maintenant j'y vais. Je sens que ça va mordre. Dire qu'il a fallu que je rame, c'est un comble. Tu sais qu'au début, il voulait plus me voir. Hmm? L'avenir, vous le voyez comment, tous les deux? L'avenir, va savoir avec lui. Je crois qu'il est encore capable de m'étonner. Ah, te voilà, toi. Ben, dis donc, heureusement qu'on t'a pas attendu. On va à Deauville. Si on me demande, fais pas le con, on est en congrès. Aurélie, elle a jamais vu la mer. Eh oui. Voici qui est dommage de la maturité, ben c'est qu'elle vient toujours trop tard. Tu vas pêcher? Ouais. Tu m'emmènes? D'accord. Et depuis 6 mois, il n'a pas touché une éprouvette. Oui. C'est peut-être décidé à être adulte. Professeur, c'est moi, Maurice. Maurice Verret. À cause de vous, ma vie est foutue. Alors on va se remettre au boulot, et vite. Now, I'll
Le jeu France 2 avec Volkswagen. Parmi ces panneaux, lequel s'apparente le plus au genre du film de ce soir? Appelez le 08 36 66 10 10 et choisissez la bonne réponse. Le 10 septembre, un gagnant sera tiré au sort et remportera une Golf Cabrio Cara. Bonne chance sur France 2 avec Volkswagen.